Je suis donc à New York où je me rends compte que que l'approche de Bastide en termes d'adaptation et acculturation qui avait été adoptée pour la première partie de l'étude en France ne colle pas et que d'autres approches comme celle de l'ethnicité sont beaucoup plus opératoires, et notamment l'approche barthienne. Alors, j'écris à Bastide une longue lettre. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait où je lui décris les différents Haïtiens que je rencontre, les différents livres que je lis et les problèmes que je rencontre aussi au niveau théorique. Et il me répond une longue lettre où il me dit « Comme Andrégide, je hais les disciples. » Et donc, bon, c'était un grand connaisseur de Gide. Il a écrit un livre, d'ailleurs, sur lui, plus tard. Et au fond, ce qu'il me disait, c'était de couper le cordon ombilical et de voler de mes propres ailes et de m'imposer comme chercheur et de faire mes choix personnels qui me semblaient les plus judicieux pour l'objet de recherche en question. Mais je dois dire que ça m'a fait quelque chose parce que je sentais que je passais à autre chose, quoi, que la période bastidienne se terminait et que je devenais en quelque sorte barthienne parce que j'ai utilisé cette problématique sur d'autres objets de recherche dont je parlerai. Car Frédéric Barthes m'a beaucoup influencé et impressionné. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer beaucoup plus tard à un colloque organisé en son hommage où je lui ai raconté dans quel contexte j'ai appliqué son modèle. Et ça l'a beaucoup amusé de voir que ça pouvait servir à étudier d'autres cas que les patanes, puisque lui avait surtout étudié les patanes. Choisir l'approche barthienne, c'était choisir de définir l'ethnicité comme un construit qui s'avère être un processus dynamique et relationnel. Donc je suis partie de cette idée et j'ai vécu le plus possible avec les Haïtiens. J'ai participé à beaucoup de réunions, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec eux. Et je me suis rendu compte que quand ils arrivent aux États-Unis, eh bien, ils sont perçus par la majorité blanche comme des Negroes, comme des nègres. Et quelle que soit leur classe sociale, parce que moi je m'intéressais surtout à la classe moyenne qui faisait le pendant de ce que j'avais étudié en France, mais quelle que soit leur classe moyenne, qu'ils appartiennent à la classe, quelle que soit leur classe sociale, je veux dire, ils ne pouvaient être traités que comme des Noirs américains. Et au fond, la société américaine leur imposait les mêmes frontières raciales qu'aux Noirs américains. Et qu'ils soient mulâtres ou au contraire qu'ils aient la peau plus foncée, eh bien, ils n'étaient, aux yeux des Blancs, que des Noirs parmi des Noirs. Donc ça voulait dire qu'ils devenaient invisibles. Invisibles aux yeux des Blancs, mais aux yeux des Noirs, c'était des étrangers. C'était des étrangers parce que les Noirs américains les traitaient de « Frenchies », parce qu'ils parlaient français, ils parlaient anglais avec un accent français, et surtout parce qu'ils ne comprenaient pas le « black English » des Noirs américains.
Donc il se trouvait coincé entre les blancs qui les traitaient de noirs et les noirs qui les traitaient de Frenchies. Et pour faire évoluer ce problème, ces frontières, les Haïtiens ont choisi de mettre en avant leur francophonie, leur identité francophone. Et par exemple, quand j'étais dans le métro avec eux, ce qui me frappait, c'est qu'ils faisaient exprès de parler fort le français pour bien montrer à l'autre, le blanc, qu'il n'était pas noir, mais qu'il était autre chose. Vous voyez ? Et c'était tout un jeu intéressant d'instrumentalisation de leur francophonie pour dire « attention, je ne suis pas noir, je suis autre chose ». Et ce qui leur permettait, comme je l'ai écrit dans un article, de se visibiliser comme ethnique, puisque à l'époque, c'était le problème des ethniques, justement, qui revalorisaient leur héritage et tout ça, aux yeux des Blancs. Donc la langue, pour les Haïtiens, devenait une ressource mobilisable, pour se construire une autre identité que celle que le blanc leur imposait et leur collait à la peau. Alors, pour la deuxième génération, ça, je vais le découvrir un peu plus tard, dans un autre terrain que je ferai, c'est que la deuxième génération, qui est anglophone, ne peut plus utiliser cette ressource. Donc, elle va utiliser une mémoire collective caraïbéenne qu'elle va retrouver auprès d'autres Caraïbéens, comme les Jamaïcains, par exemple, qui sont très fortement représentés à Brooklyn, notamment. Et avec les Caraïbéens, elle va développer une conscience caraïbéenne et une identité caraïbéenne. Tout ça pour échapper toujours à l'identité des Noirs américains, que les Haïtiens ne veulent absolument pas se voir imposer. Donc, ce séjour aux États-Unis a été pour moi extrêmement important, car ces théories de l'ethnicité, et Barthes en particulier, va me servir de colonne vertébrale, en quelque sorte, pour étudier d'autres minorités migrantes, mais des minorités nationales, et également des peuples autochtones. Sur le plan méthodologique, c'est assez amusant parce que si l'on compare Manhattan et Brooklyn d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Manhattan de Brooklyn que j'ai connu moi en 73-74. Aujourd'hui, il y a une gentrification, enfin une, je sais pas comment on appelle, une gentrification de Manhattan, même de Harlem maintenant, et de Brooklyn, où une classe moyenne blanche qui n'a pas les moyens de vivre à Manhattan vit à Brooklyn, mais dans des quartiers qui sont presque blancs et dans chez une de mes amies où je vais très souvent, qui habite en face du musée de Brooklyn, dans un très bel immeuble des années 20-30, bien dans les années 73-74 où j'ai fait ce terrain, il y avait moitié noir, moitié blanc, et aujourd'hui il n'y a plus que des blancs dans son immeuble. Elle est une des rares qui est résistée. Il y avait un problème de choix. Où vais-je vivre pendant cette année que je vais passer à New York ? J'avais le choix de trouver une famille haïtienne à Brooklyn qui m'accueille. Mais les Haïtiens sont très fragmentés. Il y a beaucoup de factions. Et je me disais que vivre dans une famille allait me couper des autres et m'associer à une certaine famille. Donc j'ai choisi de vivre seule à Manhattan, dans un studio au niveau de la 72e rue Ouest. Aujourd'hui, c'est très bourgeois, très blanc, etc. À l'époque, c'était un quartier mixte où il y avait des Portoricains, un petit peu d'Haïtiens et des Blancs.
Le problème, c'est que le soir, le métro de la au niveau de la 72e rue Ouest était le lieu du trafic de drogue, d'un trafic assez intense, donc peu recommandable. Et la Fondation Ford avait même se posé des problèmes sur ma sécurité. Et parce que je lui avais expliqué qu'il fallait que je prenne le métro très tard le soir pour aller voir des gens à Brooklyn. C'était surtout à Brooklyn que vivaient les Haïtiens. Et comme ils travaillaient toute la journée, c'était surtout le soir et pendant les week-ends que je pouvais les rencontrer. Donc elle se posait des questions sur ma sécurité, mais je lui avais expliqué qu'une ethnologue n'a pas besoin de garde du corps et qu'il fallait que je me débrouille. Mais c'était assez agressif et assez violent. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon terrain en Amazonie péruvienne où j'ai rencontré des situations un peu difficiles. Eh bien, à New York, c'était ça. C'était dans un autre environnement, mais il fallait montrer à l'autre qu'on n'a pas peur et marcher dans la rue, par exemple, de façon assurée, être sûr de soi, quoi. Même si ce n'était pas toujours vrai en dedans, mais voilà. Autre problème, donc ça c'était le problème sécurité. Autre problème, c'est qu'au départ, j'ai joué ma carte francophone. J'avais affaire à des gens de la classe moyenne qui en Haïti avaient fait d'énormes sacrifices pour faire des études en français, pour se former en français, faire l'école normale, même l'université. Et une fois qu'ils avaient émigré pour des motifs politiques ou des motifs économiques aux États-Unis, ça leur servait à rien, ce français. Il fallait qu'ils apprennent l'anglais. Donc, ils se sentaient dévalorisés. Et jouer la carte francophone, c'était une façon de valoriser leur savoir, leur langue. Ils avaient une connaissance de la littérature de façon extraordinaire. Et ça a très bien marché pendant la première moitié de mon séjour. J'ai une anecdote assez amusante. Un jour, il y avait une réunion à New Jersey. Je partais de Brooklyn avec des amis haïtiens en voiture. Donc il fallait traverser Brooklyn, Manhattan, arriver à New Jersey. Donc ça a pris une heure et demie de voiture. Eh bien, pendant cette une heure et demie, un des haïtiens m'a récité Bérénice dans le texte. Donc, c'était pour vous montrer comment ils étaient fiers de parler français et de connaître la littérature française. Moi, j'étais complètement baba et ahurie de cela. Ils avaient le goût de la langue française, d'utiliser les bons mots, d'utiliser même des mots qu'on n'utilise plus maintenant, mais c'était donc des francophones. Et donc cette utilisation de la carte francophone a très bien marché jusqu'au moment où les Haïtiens qui avaient certaines difficultés avec la société américaine ont pris conscience de la situation coloniale dans leur pays, en Haïti. Et il y avait un certain nombre d'intellectuels à New York qui disaient, au fond, la langue française, c'est une séquelle de cette histoire coloniale. Donc, ils ont commencé à promouvoir le créole, à faire du théâtre en créole, une presse en créole, des réunions politiques en créole. Bref, tout tournait autour du créole. Il y a même eu un débat politique sur quelle langue il fallait enseigner dans les écoles aux Haïtiens, aux petits Haïtiens. Alors, il y avait certains parents qui étaient partisans du français parce qu'ils disaient « le créole, on peut l'apprendre à la maison, ça se passe à l'interne, c'est une langue domestique, mais pas une langue que l'on apprend à l'école ». Et puis d'autres, au contraire, qui disaient « non, 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 le créole, c'est notre langue ».
Et ce mouvement politique a eu une très grande importance, parce que quand Aristide, le président Aristide, est devenu président de la République en Haïti, eh bien, ces Haïtiens qui sont revenus en Haïti ont imposé que le créole devienne une langue officielle, au même titre que le français, parce que le français a continué, mais le créole est devenu langue officielle. Donc c'est un moment important. Et ça se passe en 1974, hein, et donc je me trouve à une très grande hostilité. Je commence à apprendre un peu de créole pour me dire « ça m'aidera peut-être ». Et peu à peu, j'ai vu que mes rendez-vous s'annulaient et qu'on ne voulait plus me rencontrer, tout simplement. Tout ça pourquoi ? Parce que l'ambassadeur d'Haïti s'appelait Dorin, D-O-R-I-N. Et ils se sont dit, Françoise Morin, Dorin, ça doit être la même chose. Et c'est une espionne du gouvernement français. C'était le moment où il y avait des tontons macoutes à New York, envoyés par Duvalier. Donc j'ai eu beaucoup de mal à expliquer que je n'étais pas Dorin, que je m'appelais Morin, que je n'étais pas espionne du gouvernement français, et que j'apprenais le créole. Et heureusement, j'ai une fille extraordinaire, Edith Moïse, enfin qui s'appelle Moïse aujourd'hui, mais qui s'appelait Jean-Baptiste à l'époque, qui était directrice d'une école bilingue, français, anglais, espagnol même, qui a pris ma défense. Et qui a commencé à prendre son téléphone parce que à New York, il y avait la pratique de ce qu'on appelait à l'époque le télédiol. Le télédiol, c'est une expression créole pour parler des conversations qui durent des heures et des heures le soir entre Haïtiens qui habitent Manhattan, Brooklyn, Queens, Long Island. Qui permettent de tenir au courant la communauté de tout ce qui se passe et de tous les ragots. Donc, elle a pris son télédiol et puis elle a expliqué que je n'étais pas une espionne, qu'il fallait me faire confiance, que j'étais quelqu'un de très bien, etc., etc. Mais c'est le genre de problème que l'on rencontre sur le terrain et qui peu à peu, que j'ai pu peu à peu résoudre, mais ça m'a bloquée pendant un mois à peu près. Toute rencontre avec des Haïtiens, peu à peu, c'est revenu. Puis je participais à tout ce mouvement créolisant qui était très intéressant par ailleurs. Après cette recherche sur la diaspora haïtienne à New York, j'ai été nommée en octobre 1974 comme maître assistante, comme on les appelait à l'époque, à l'université de Toulouse-le-Mirail, qui s'appelle aujourd'hui Jean Jaurès. Et donc j'arrive là, je suis, pour ainsi dire, la seule anthropologue dans un département de sociologie, et un département de sociologie très marxisant. Donc je me retrouve un peu isolée. J'arrive de New York, la tête remplie de références sur l'ethnicité, et je suis chargée de l'enseignement aux sociologues depuis la première année jusqu'au doctorat, dans un cursus de sociologie. Et bien que cette anthropologie soit optionnelle pour les étudiants sociaux, finalement, il y en a beaucoup qui choisissent l'anthropologie, soit comme approche méthodologique, soit comme approche théorique. Si bien que, à force de recevoir des étudiants qui choisissent cette option en maîtrise, je suis parfois, certaines années, obligée de diriger jusqu'à 18 maîtrises, si bien que ça devient assez démentiel. Et
D'abord, très vite, en 78, j'essaye de proposer aux sociologues de faire un programme d'ethnologie, ceux qui refusent, en me disant, sociologue, anthropologue, on est les mêmes. Bon. Et à long terme, ça m'a poussé à demander un détachement au CNRS, ce que j'ai obtenu quand même beaucoup plus tard. Mais en 79, il n'y avait pas d'association d'anthropologues en France. Et en 79, un certain nombre d'anthropologues, comme Godelier, Abélès, Panoff, Bidou, Perrin, moi-même et Jeanne-Françoise Vincent, qui est une africaniste, on forme un premier bureau de l'Association française d'anthropologie, avec l'objectif de développer notre discipline. Et en travaillant à ce bureau, moi, je propose de prendre en charge le problème de l'enseignement, parce que je m'apercevais qu'à Toulouse, c'était assez incohérent. Surtout que j'avais découvert qu'on enseignait la préhistoire en histoire de l'art et l'ethno-linguistique en linguistique. Bon, ça n'avait rien à voir avec la... Et les étudiants ne suivaient pas du tout les mêmes cours les uns les autres. Donc, je propose de faire un rapport sur l'enseignement de l'anthropologie en France et je suis aidée pour faire ce rapport... par Jacqueline Thomas, qui est une linguiste africaniste. Et toutes les deux, on essaye de faire le point en envoyant des questionnaires aux différents départements ou lieux où on pense qu'il y a de l'anthropologie. Et on fait également des tables rondes avec des enseignants d'anthropologie, où là, on se rend compte que ben, on n'a pas tous la même façon de concevoir l'anthropologie et surtout de l'enseigner. Par exemple, à Nanterre, la méthodologie de terrain, où moi, c'était essentiel et je l'enseignais dès la première année. Je faisais faire des petits travaux sur le terrain à mes étudiants. Nanterre n'enseigne la méthodologie de terrain qu'au niveau doctoral. Donc, c'était un peu tard pour moi. Et... donc, ça a donné lieu à un échange très vif entre nous. Et j'ai fait un rapport montrant que, avec Jacqueline, montrant qu'il y avait une très grande hétérogénéité de l'enseignement de l'anthropologie en France, qu'il y avait une incohérence dans les cursus, qu'il y avait un manque de formation de base et une pauvreté des bibliothèques, un manque de matériel audiovisuel... Enfin, bref, c'est un rapport assez négatif. Et nous savions que le ministère de l'Éducation et des universités était en train de proposer une nouvelle carte universitaire et on voulait essayer de les influencer pour modifier les choses. Malheureusement, ce rapport n'a pas eu beaucoup d'influence, n'a pas eu beaucoup d'impact, et la nouvelle carte qu'a proposée le ministère avait autant d'incohérences que la réalité qu'on avait observée. Donc, j'ai essayé de m'accommoder avec la situation du Mirail, et heureusement, en 85, j'ai obtenu un détachement au CNRS, 85-87, ce qui m'a permis de refaire du terrain dans un temps long. C'est toujours le problème des enseignants universitaires ou des anthropologues universitaires qui n'ont pas, comme les gens du CNRS, la possibilité de choisir, d'aller sur le terrain à telle époque, etc. Et comme à cette époque-là, je travaillais sur les mouvements de revendication politique en Amérique latine et au Pérou en particulier, bien souvent, je ratais des réunions parce que ça ne correspondait pas aux cours ou aux examens que je devais faire passer à Toulouse.
Donc j'ai bien profité de cette époque-là. Pour revenir à l'enseignement, en 97, j'ai proposé une nouvelle fois aux sociologues et à l'université elle-même de faire un cursus d'ethnologie. Et cette fois-ci, ça a été accepté et par l'université et par le ministère. Et entre-temps, heureusement, il y avait un certain nombre d'enseignants qui avaient été recrutés en sociaux, mais qui avaient une formation anthropologique, donc ils ont pu participer à ce cursus sur 2 ans. Et ensuite, nous avons eu aussi la maîtrise, donc il y avait un début de cohérence de l'enseignement d'anthropologie à Toulouse. Aujourd'hui, ils ont fait mieux, puisque j'ai appris l'année dernière qu'ils avaient un département d'anthropologie qui n'était plus rattaché ou en lien avec la socio, mais avec l'histoire. Comme ça, ils avaient sans doute plus de paix. Donc mes cours, à l'époque, donc, portaient aussi bien sur les différents courants anthropologiques, l'histoire d'anthropologie, sur l'anthropologie religieuse, sur l'anthropologie des relations interethniques, où bien sûr, là, j'avais tous mes terrains, sur la méthodologie, et en particulier sur l'utilisation de l'histoire de vie, qui donc était une méthode que Bastide m'avait souvent recommandée et que j'utilisais pas mal dans mes recherches sur le terrain. Ça permettait de comprendre un problème sur le long terme à travers un point de vue individuel. Et j'ai même, sur les conseils du directeur de l'Institut de sociologie où je travaillais, écrit pour les cahiers internationaux de sociologie un long article sur pratiques anthropologiques et histoire de vie, où j'essayais de montrer que c'était une méthode qui avait été très appréciée en Amérique du Nord. Il y a eu toute la période où les anthropologues nord-américains faisaient des histoires de vie d'Amérindiens, Soleil Hopi et d'autres, qui servaient un peu de mémoire collective pour les Amérindiens. Et puis après, c'était tombé un peu on l'utilisait moins, mais des gens comme Sidney Mintz de l'anthropologie de Yale l'avaient réintroduite en utilisant l'histoire de vie pour étudier dans les Caraïbes l'histoire d'un travailleur de la canne à sucre, son livre qui est merveilleux, qui s'appelle Tasso, l'histoire d'un travailleur de la canne à sucre à Porto Rico. Était un modèle du genre. Et donc, à la faveur de ça, j'essayais de montrer pourquoi les anthropologues français n'utilisaient pas l'histoire de vie. Donc, je m'appuyais évidemment sur les structuralistes qui avaient montré que ce n'était pas une méthode valable. Mais je montrais aussi, à partir de mes propres recherches sur l'ethnicité, que c'était très intéressant, au contraire, de le faire. Donc, il y avait des cours sur la méthodologie. J'utilisais beaucoup de films dans mes enseignements parce que je trouvais qu'à travers l'image, on pouvait faire passer beaucoup plus de messages et faire comprendre des choses qui étaient plus difficiles d'expliquer par le verbe. Et le problème, c'est que c'était assez novateur en anthropologie de faire ça et qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel. Donc, je piratais plutôt les films d'Arte. Je demandais au département audiovisuel de Toulouse de copier les films d'Arte. Donc, à cette époque-là, on utilisait le magnétoscope avec les vidéocassettes. J'empruntais au Musée de l'Homme, au CNRS des films, et puis je les copiais. Jusqu'au jour où j'ai découvert le film de Bernard Salananglur, Igloolik Nunavut, qui a été présenté à Beaubourg par un de mes collègues
ethnologue à Strasbourg, qui s'occupait beaucoup de cinéma. Et je l'ai revu, donc c'est là que j'ai vu Bernard pour la seconde fois, mais en train de préparer, de présenter son film. Et donc, il est passé à Arte, également la même année, en 77. Et donc là, j'ai pu le pirater une nouvelle fois pour le présenter à mes étudiants. Ce que j'aimais dans ce film, c'était que c'était tradition-modernité. C'est-à-dire qu'on voyait un anthropologue, un ethnologue sur le terrain, parlant la langue, mais être capable de parler aussi bien des souvenirs intra-utérins, de la maison semi-souterraine, enfin de beaucoup de traits de la tradition, en faisant parler les Inuits eux-mêmes. Et puis évoquer tous les problèmes politiques, les problèmes de l'école, les problèmes d'aujourd'hui, quoi. Donc le film permettait d'évoquer les deux facettes de la réalité inuite. Et j'ai beaucoup aimé ce film, je lui ai dit quelques années plus tard. Donc avec l'ouverture d'une maîtrise en anthropologie dans les années fin 90, années 2000, il y a une filière anthropologie de l'Amérique latine que j'ai ouverte, que j'ai proposée aux étudiants. Bon, il faut dire que depuis 66, je participais à un DEA sur l'Amérique latine, mais un DEA pluridisciplinaire où il y avait des historiens, des géographes, des littéraires. Et donc, moi, je représentais l'anthropologie. Et j'avais mis sur pied des séminaires sur l'anthropologie et la religion en Amérique latine. J'ai aussi proposé un autre séminaire avec un de mes anciens étudiants de Toulouse sur les Amériques noires et les Amazonies indiennes. Alors, on partageait à deux voix les deux aspects de l'Amérique du Sud, parce que lui venait de terminer un doctorat sur le carnaval à Bahia. Et depuis, il est devenu d'ailleurs professeur à l'université de Fortaleza. Donc c'est l'époque où l'anthropologie a une base. J'étais devenue maître de conférence depuis un certain nombre d'années et je cherchais à devenir professeur à part entière. Donc j'ai fait d'abord un HDR très tardivement parce que j'aurais dû le faire depuis très longtemps, mais les terrains accumulés les uns aux autres ne me permettait pas vraiment d'écrire et de prendre du recul, surtout par rapport à toutes ces données. Donc j'ai fait, à la fin des années 90, un HDR que j'ai évoqué tout à l'heure avec Marc Auger et que j'ai soutenu à l'EHESS. Cette HDR que j'ai appelée « Ethnicité et politique », et que j'ai jamais publié, donc depuis je me dis qu'il faut que je reprenne ça et que je réécrive ça sous forme de livre, m'a donné la possibilité à devenir professeur à part entière, et Toulouse ne voulait pas demander de poste, bon, pour des raisons très particulières, donc j'ai dû quitter Toulouse pour répondre à un appel d'offres, et l'appel d'offres a été celui de Lyon 2, avec la Plantine, qui à ce moment-là dirigeait Lyon, et qui me connaissait parce qu'il avait lu donc un certain nombre de choses, qui savait que j'avais travaillé avec Bastide, lui-même était assez proche de cette tendance. Et donc j'ai été prise à Lyon, où là, pour la première fois, j'étais dans un vrai département d'anthropologie, avec les trois cycles, depuis le doc jusqu'au doctorat. L'envers de la médaille, c'est qu'on avait trop d'étudiants, presque. Dans les premières années, on avait des cours de 250 étudiants, c'est-à-dire que c'était du véritable théâtre. Bon, moi, j'avais jamais fait ça, j'ai dû m'habituer. Et bon, il y avait beaucoup d'étudiants venant d'histoire, de géographie, d'autres disciplines qui prenaient ça comme option, quoi.
Donc, on avait des publics très variés et il fallait faire des cours adaptés. Mais j'ai aimé ces 4 ans que j'ai passés à Lyon 2 parce que ça m'a permis de retrouver un enseignement de l'anthropologie de façon plus cohérente dans la mesure où il y avait toute une série de profs qui se répartissaient les différentes matières dans les différents champs de l'anthropologie et c'était très stimulant et très agréable. Alors, peut-être que je devrais dire un mot en même temps que je parle de cet aspect enseignement, c'est que pendant que je m'adapte à mon poste d'enseignement à Toulouse, dans les années donc 74, 75, 76, j'ai en face de moi un public d'étudiants qui, aux deux tiers, comprennent l'occitan. C'est-à-dire qu'ils le parlent avec leurs grands-parents qui sont occitanophones. En même temps, dans cette époque, il y a une espèce d'explosion de la parole occitane, aussi bien au niveau du théâtre, de la presse, de la chanson, et des intellectuels à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, beaucoup écrivent sur les réalités occitanes. Alors aussi bien comme historien, comme sociologue, et donc cette revendication occitane, je la découvre en arrivant à Toulouse. Rien ne m'y avait préparé, j'avais des racines normandes, je venais de Paris, j'avais un accent pointu, c'est très important les accents en France. Et je m'adressais à des gens qui avaient donc l'accent de Toulouse qui étaient intéressés par cette revendication occitane. Donc je me suis dit, j'étais moi-même dans un entre-deux, dans la mesure où Bastide était décédé, j'avais dû, en 74, avant que je revienne des États-Unis, je revenais de New York, où j'avais fait cette recherche sur les Haïtiens, et normalement, j'aurais dû, ce poste que j'avais eu était aussi, avait été créé pour un profil latino-américain, dans la mesure où À Toulouse, il y avait beaucoup d'historiens, de géographes, de gens des lettres spécialisés sur l'Amérique latine, mais personne dans le domaine ethno-sociaux. Donc je répondais au profil, mais le centre de recherche qui va être créé 2 ans après, le groupe de recherche sur l'Amérique latine, le GRAAL, n'était pas encore créé. Donc je me trouvais dans une espèce d'entre-deux. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas les faire travailler sur cette réalité occitane qui leur est proche, sur laquelle on peut réfléchir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai établi des liens avec un historien du Mirail, Rémi Pêche, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Occitanie, et notamment des crises viticoles, et sur une littéraire, Marie, je crois que c'est... Elle s'appelle Viguier, mais j'ai oublié son prénom, qui vont beaucoup m'aider pour comprendre certaines facettes de la revendication occitane. Et donc, je propose à mes étudiants, surtout de maîtrise, de faire des enquêtes sur ces problèmes occitans. Alors, il y en a une... Anne-Marie Granier, qui va travailler un lieu où on enseignait dans le milieu agricole, et l'autre,
Guy Pouget qui va au contraire prendre le milieu des gens qui choisissent l'Occitan au bac, donc un milieu beaucoup plus urbain. Et donc, ils vont tous les deux travailler là-dessus. Alors, avant de parler des résultats de cette recherche, quelques réflexions sur le fait que ce soit une anthropologue venant de Paris, n'ayant aucun lien avec l'Occitanie, qui travaille sur cette question. Alors que aucun chercheur du centre de recherche sociologique, donc du Mirail, qui était lié au département de sociologie, ne s'y intéresse. Alors j'ai plusieurs hypothèses. Je crois que le fait qu'une majorité de ses collègues sociologues utilisaient dans leurs recherches un cadre théorique inspiré du marxisme renforçait une tendance déjà existante dans la sociologie française de pratiquer, ou plutôt de privilégier la stratification et la différenciation par classe sociale à l'intérieur des sociétés globales, au détriment de deux autres modes de stratification qui sont le sexe et l'ethnicité. Donc ils privilégiaient les classes sociales plutôt que sexe et ethnicité. Donc ils n'étaient absolument pas intéressés par les histoires d'Occitan. Bon, plus globalement, je pense qu'il y avait chez de nombreux sociologues en France une intériorisation de l'idéologie nationale comme modèle idéal d'organisation sociopolitique. Et je pense à Louis Quéret, qui est un sociologue qui a travaillé sur le mouvement breton dans les années 70. Pour lui, cette idéalisation du national est caractéristique de ce qu'il appelait une sociologie durkheimienne, pour qui le véritable espace d'appartenance, c'est le territoire national. C'est-à-dire que la nation avait le monopole de la production d'identité et tous les résidus des collectivités et restreintes ou les attaches locales n'étaient pas des sociétés de plein droit, dit Durkheim. Donc, c'est ainsi que l'influence de Durkheim plus le marxisme ont fait que la dimension régionale sera, pour la sociologie française, un objet dépourvu de sens. Donc, il a fallu que moi, je me décentre, en quelque sorte, pour que cet objet m'apparaisse pertinent et s'impose, en quelque sorte, à moi. Bon, j'avais aussi un autre intérêt, c'était de tester le modèle barthien sur des minorités nationales, parce qu'aux États-Unis, j'avais rencontré dans certains séminaires des chercheurs qui travaillaient sur le mouvement gallois, écossais, donc qui à l'époque également bougeaient. Donc je me disais, tiens, c'est amusant, on pourrait peut-être tester le modèle barthien sur les Occitans. Donc ça a été également une raison de ce qui m'a poussé à regarder de plus près.